Dans son édition du jeudi 20 avril, Julianne Bugier a présenté un reportage sur les morilles dans le 13h. France 2 a présenté ses excuses le lendemain à la suite de sa diffusion à cause d'une grosse erreur. Attention, danger. Ce jeudi 20 avril, Julianne Bugier présentait une nouvelle édition de son 13h sur France 2. Au sommaire, la colère des associations de victimes après l'annonce de la fin du retrait de points pour les petits excès de vitesse, le témoignage exclusif de la mère de Cédric Jubilard ou encore la préservation des calendes. Après avoir reçu Valérie Hortel en plateau, le journaliste a lancé un reportage sur les morilles. La saison est arrivée et profitez-en, ça ne dure pas très longtemps. On les trouve surtout dans l'est de la France, l'occasion de faire un vol la première fois qu'on déguste un fruit ou un légume de saison. Une fois cuisinées, ces morilles sont succulentes. On a suivi un cueilleur passionné qui a accepté de nous emmener dans ses petits coins secrets, dans le massif des Vosges, a annoncé le présentateur de la chaîne publique. Surtout ne le consommez pas, cru comme cuit, prévient France 2 après un reportage du 13h de Julianne Bugier. Les caméras du 13h sont donc parties à la cueillette aux champignons en compagnie de Henri Georgel, un retraité. En moins d'une heure, son panier est rempli. Mais visiblement pas qu'avec des morilles. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux ce vendredi 21 avril, la chaîne met en garde ses téléspectateurs à cause d'un danger potentiellement mortel. Rectificatif. Le champignon vu dans un reportage diffusé dans le 13h de France de jeudi n'est pas une morille, mais une gyromitre. Il est toxique, mortel, interdit à la vente en France. Surtout ne le consommez pas, cru comme cuit. France 2 présente ses excuses pour cette erreur, a indiqué le service public. France 2, Henri Georgel et son épouse sains et saufs après leur cueillette aux champignons, que les téléspectateurs et les internautes se rassurent. Comme il l'explique, de retour chez lui avec son épouse Georgette, Henri Georgel fait sécher ses morilles pour être conservé plusieurs années. Le retraité a donc probablement été prévenu que les champignons trouvés dans la forêt pendant le reportage qui lui est consacré ne peuvent pas être consommés. La période de cueillette de morilles, elle, s'achève au mois de mai. Redoublez donc de vigilance. À lire aussi Julianne Bugier en couple, qui est sa femme Claire Fournier ?